إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يغضب الله سبحانه وتعالى كل غضب الله سبحانه وتعالى نبال في بنتيسون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في جنوب الحديث في غزة مرتبة نفذ الإسلام dans la vie de tous les jours et dans la vie de tous les jours il remplit avec un événement devenu les promises comme a dormi de la vie il remplit avec un événement et beaucoup un événement qui positif pour nous et parfois une événement qui va positif dans la vie. Et la même chose qui amène contentement dans notre cœur, et la même chose qui amène chagrin dans notre cœur, et la même chose qui cause nos idées, et la même chose qui affecte nous physiquement, moralement. C'est ça la vie, je veux dire, au quotidien de tout être humain. Sinon, toute créature qui peut vivre la guerre, nous vivons dans une situation pareille. Parfois, dans une situation positive, parfois négative. Alors, pour cette raison, je trouve qu'un musulman, sous position vis-à-vis sur la vie de tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer comment il faisait réagir par rapport à un événement qu'il fait face à cela. Un djimoun qui libéna aucun bédia, connexion avec Allah, libéna aucune spiritualité dans lui, alors lui, sous réaction, lui, rationnel. Bédia, quand arrive une petite chose, il condamne. T'attends où, il se débile, mais quand arrivé par malheur, il commence par tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fin, mention ça la Quran. Quand il a sauvé une hasanatun, qu'on a dit, il est indi Allah, wa in tusib un hasayyatun, qu'on a dit, quand il se dit, bon, il saute, je dis, ça lui débile Allah, je cause mon Dieu, mais quand vous êtes malheur, je blâme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هذا من عندي قل كل من عند الله جزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيتي عصرنا نلاقينا تشكي عليه الله كي يسيب الله كي يسيب بجيا ساكي بعدينه ساكي بعدينه ساكي بعدينه ساسي الله سبحانه وتعالى كي يسيب دم كتمن كي بين spirituality كي بين أهل بجيا attachment avec la religion qui brise l'islam. Alors définitivement son réaction il faut par rapport appelle une réaction rationnelle. Quand il dit bon, je veux dire, son mouvement, quand il dit mal malheur, je veux dire, il réagit par rapport à ça. Soit il parle du monde, soit il commence à faire problème du monde, si la salle est là, on va le faire du coin. Si la salle est là, son madame, vas-y dans le lit, ne pas dire de la case. Si un client de la case, arrivé, deux enfants, fait problème, il s'est collé en dehors et de la case, ça c'est notre monde qui veut dire, je ne sais pas, gagne sa formation qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner dans la hadith. Alors nous disons pas qu'il y a formation, connaissance de tout et d'un, tout le monde connaît. Mais je dis que nous la vie, qu'il soit positif ou bien négatif, parfois il y a un Dieu qui contrôle ça. C'est vraiment qui contrôle, je dis pour la vie, je dis pour me dire que demain, positivement, vous contrôlez pour une positif, ou bien vous contrôlez pour une négatif, pas la parole. Alors, ça va être une bonne situation parce que je n'ai pas gagné sa formation. Pourtant, je connais de la connaissance. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut
information. And then Umma Shukri Mzha Patsikri, qui le Prophet sallallahu alayhi wa sallam peut dire, lui peut montrer l'exemple, être musulman exemplaire. Un musulman exemplaire, comment il gère sur la vie au quotidien? Un musulman exemplaire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, hajjaban li amri al-mu'min, lui surprenant, attitude, situation, un croyant. Un croyant, c'est lui qui croit dans Allah. C'est lui qui croit dans l'unicité d'Allah. Tout le temps, nous faisons référence à ça très important avant qu'il explique les autres choses. Quand on fait cause croyant dans le Coran, quand on fait cause croyant dans le Hadith, c'est lui qui fait une bonne unicité d'Allah. Il ne peut pas faire chier qu'avec Allah. Il ne peut pas faire droit de l'apport d'Allah. Donc, ça, le Timouna, cette attitude qui est surprenante, qui est étonnante, qui fait l'étonnant, parce que normalement, Timoun ne peut pas réagir comme un croyant. Mais si vous ne pouvez pas réagir comme un croyant, alors ce n'est pas réagir par rapport à la situation. Par exemple, Roman, qui va une croix dans l'Allah, qui va une croix dans l'Islam, il rassemble vous, sans croix, chaque homme. Un croyant va arriver le bonheur, qu'il fait, il compte dans le musulman. Il y a un peu de musulman qui arrive le bonheur, il est content, il est satisfait, il est gai, il est souriant. Il réagit, mais est positif. Mais seulement, quelque chose en plus qui développe avec les autres, chacun, les remerciants. Mais j'ai tout ça, bonheur qui n'arrive plus, sur la vie, au quotidien, les remerciants là. Alhamdulillah, c'est une façon pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire l'autre Allah. Alhamdulillah, wa shukrulillah, nous, Dieu la merci, à shukr, alhamdulillah. Nous faisons l'éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, alors qui s'appelle nous faire l'éloge Allah? En premier, dans la bouche, et nous le dire, nous, peut dire, montrer sa satisfaction à l'intérieur de nous, qui cache une petite chose pas trouver, en toi avec Allah, nous le dire content. Ça, c'est le premier, quelque chose qui est très important dans la vie de croyant, pour arriver le bonheur. Après, il faut réagir, il faut démontrer, il faut manifester sa contentement là-bas, sur l'aspect physique. Dans le sens qu'il dit nous peut trouver, puis rire, puis commenter, indiquer dans son visage, mais le croyant, avant qu'il ça, veut dire en même temps avec ça, veut dire sa contentement apparente, se léguer, veut dire remercier. Se léguer, remercier. Ça, c'est quelque chose qui nous visait pour nous, veut dire pour nous mettre dans sa catégorie. Se léguer, commenter, pour pas en s'attendre de sa vie. On a une satisfaction. Elle nous fait dire une chose qu'on ne va pas expliquer. Appelle ça. Quand on appelle ça l'aide d'être iman. Ça coûte de iman. Comme ça, il faut faire pour les guerres. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, il montre nous qu'un croyant va arriver le bonheur, veut dire sur les guerres, il a une satisfaction. Sur les guerres, commandant, quand il fait obéir à Allah, quand il fait un cadeau avec Allah, sur les guerres, content. Et de faire une façon qui nous remercie à Allah, nous remercie à Allah par nos paroles. Alhamdulillah. Pour remercier toi Allah. Alhamdulillah, tout louange pour toi, tout gloire pour toi. Tout reconnaissance pour toi. Parce que la bouche, il reconnaît et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un croyant, à part qu'il réagit instinctivement et provoque peut dire sa même réaction qu'il connaît dans du monde content, mais le croyant se le dit content pour Allah. Celui qui est satisfait avec Allah, sur la langue satisfait avec Allah. Ça c'est une deuxième façon qui le croyant est débarqué avec parmi les autres dans une situation qui a réussi le bonheur. Et troisième façon qui remercie Allah, c'est la mise en pratique de bonnes ou actions. Une content, pas ce contentement, une passée peut-être du monde qui mérite, veut dire, c'est un être. Un petit monde misère, un petit monde dans le besoin, il met ta main dans son poste pas de guérir, je suis là. T'as pour toi, rendez-vous content, Zodi. Rendez-vous content, mais comment on manifester sa contentement dans un croyant? Bon, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce risque qui a la vie de moi, sans l'argent, on met ta main dans mon poste, on tire, on donne ce petit monde dans le besoin.
décédé dans son habit. À cause de qui, le professeur Lanson lui dit, allez-vous lui donner le courrier. Il dit étonnant, sa attitude. Parce que tout le monde a été étonné. Regardez les autres. Gabetri, ça va, j'arrive, lui dit, Gabetri. Faudrait Gabetri, que sa réaction va là. Faudrait Gabetri pour lui réagir pour sa même croyant, pas besoin de Gabetri pour lui réagir pour ça. N'importe quand arrivé le bonheur, lui réagit pour ça. Mais les questions qu'il posait, mais combien de bonheur qu'arrive nous dans la vie tous les jours? Et puis grand matin, nous l'avons dormi. Plus grand bonheur, il me l'aimait, nous lui disait ouvert. C'est ça, plus grand, car nous avons de nous pour ça, jour qu'il me l'aimait là. Pour ça que nous disons, Alhamdoulilah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la bouche, nous les guérons, mais Dieu est l'animal, nous remercions Allah. Ensuite, pour nous, pour ce remerciement-là, nous faisons, sur notre fête. C'est ça, c'est-à-dire continuellement dans la journée, la vie d'un croyant va arriver le bonheur. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la bonne journée, voilà son réaction continuellement, lui donnant remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa parole, pour sa action, pour sa guerre. C'est ça, croyant. C'est ça, le croyant. Et c'est ça, bonne petite chose, bonne critère, qui démarque sa croyant avec un qui pas croit. Avec un qui met dans quelle relation avec Allah, avec un qui met dans quelle relation avec l'islam. Voilà, première démarcation, un croyant. Mais les frères en islam et sœurs en islam, la vie, l'eau, la terre, obligés là, parfois, pour qu'ils soient avec nous, parfois avec nous, par divinité, parfois par malheur, parfois par mauvaise chose, nous arrivons à oublier ça. Qui fait? Qui fait pour le croyant? Inch'Allah, la minima d'Allah, qui fait avec nous malgré qu'il nous croit dans Allah, malgré qu'il nous pratique sa vie, malgré qu'il nous peut obéir à Allah, malgré nous faire ce dos, malgré nous revient ici, nous gagnons une difficulté, nous gagnons un problème. Parfois, nous la santé affectée, parfois nous chagrinés, parfois nous n'avons pas de guerre trop, l'amitié, qui fait rien pour autant, frère d'Islam, les frères d'Islam, pour le métier bien clair dans le métier, dans la tête, en premier. Et le misère, il y a une idole. Qui, seule place qui paie n'a aucun problème, c'est paradis. Jannah. Donc, il nous vit dans la terre, il faut partir dans un paquet incroyable. Misère, là, le haut et le bas, bon, pas bon, contentement, chagrin. Difficulté, facilité, espoir, désespoir, tout ça font partie dans la vie. Qui veut dire qu'il y a la terre, le croyant, il vient accepter ça avant tout. Qui veut dire la terre, faut pas dans une place qui peut enlever, mais ça, il y a une défaillance dans la vie. Place dans la vie pour enlever ce paradis, qui peut dans quelle difficulté, peut dans quelle amertume, peut dans quel regret, peut dans quel chagrin, peut dans quel vengeance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala de ce paradis. Alors, frère en islam, monsieur en islam, le musulman, le croyant plutôt, quand il vit en difficulté de son ami, quand il vit en difficulté de son ami, alors lui là aussi il démontre avec sa non, sa kafir, sa Dieu occupé dans une relation avec Allah, le croyant il démontre. Avant qu'il donne une réaction normale, par les points de difficulté, mais pas pour rien, ça l'air. On met la main en poste pour leurs enquêtes. Après, on ne peut pas pour rien, ça l'air, pour m'encolère, pour s'arrêter, pour m'affecter, pour s'enfermer, pour me donner pour rien, pour pleurer, et bien justement, un dimon perd son travail, il n'est pas affecté, un dimon, ses enfants n'ont pas d'irrespect, il n'est pas en colère, un dimon, il prend plaisir pour le suivre. Mais on va repartir tout, on va repartir tout. C'est ça la vie. Au quotidien de tout être humain, mais seulement le croyant, avant sur une réaction, le croyant lui démarque avec les autres par deux petites choses principales. Deux petites choses. Numéro un, c'est que, ou bien lui démarque pas une petite chose qui le professeur a raison de dire, mais cette petite chose-là, lui veut dire, lui dans plusieurs mots. Le professeur a raison de dire, parmi les croyants malheurs, qui arrivaient
فيها الصبر. Savoir que Dieu veut dire il y a une retenue lorsqu'réaction. Il veut dire savoir patience. Patience, c'est un mot pour pas comprendre Dieu. Il veut dire patience. Explique-moi ce qu'il veut dire patience. Pourquoi comprendre qu'il veut dire patience? Sobre veut dire un timon qui est en contrôle lorsqu'réaction. Et ça contrôle-là, c'est Allah qui dit à lui contrôle le temps comme ça. Agir comme ça. Pas agir comme ça. Faire comme ça. Pas faire comme ça. Ça, c'est sobre. Il veut dire, le croyant arrive en difficulté, il y a un contrôle dans lui-même. Il y a un contrôle de quoi? Pareil. Il y a un contrôle sur les guerres. Il y a un contrôle sur la bouche. Il y a un contrôle sur l'action. Il y a un contrôle sur les guerres de toute façon. Quand on met la main au poste, un très poste, qui m'a connu de faire l'expérience, il gagne sur les tables. Un timon un peu pauvre. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, fait faveur aux gens sur l'héritage. Un poignet, l'argent, la cesse, bon l'argent, madame bien content. Quand il rentre à case, bismillah, mettre la main de son poste, on sait qu'elle a marié, mais mettre la main de son poste, alors, dans un moment-là, mais en islam, qui sont pensés de voilà? Tout d'abord, avant qu'il nous pose sa parole, qui sont pensés de voilà? Ça s'avère là. Et Allah te laisse-moi tomber. Ça commence à se namaz ou là. Ça commence à se namaz ou le pied. Ça commence à crier là. De Nazan, tout. Crier à son abode. Tout ça là. Tout ça. N'a dit vous n'avez pas ça. T'as que des sinon, quand on trouve. Son nom est beau. Le moment de pose, t'as tout là, il y a le cancer. C'est un camarade de la Moudouli. Trouve à Sigil. Qui fait? Mais j'ai dit, l'église est là. Commence une négative vis-à-vis Allah. Ça, c'est attitude par nos croyants. Quand il arrive dans un condamnant, là je traite merci, God, Dieu, etc. Tu m'en dis, mais dans un malheur, je commence une négative. Non, mon Dieu, pas existe ça. Mon Dieu existe. Si mon Dieu n'existe pas, je m'arrive, telle la merde. Alors le croyant, il y a une patience, il y a un contrôle, leur réaction de solitaire. Comment il contrôle solitaire? Il n'a pas les solitaires, peut-il déraper, puis une négative vis-à-vis Allah. Parce qu'un croyant, il disait tout le temps pense pour moi. Un croyant, dans toutes circonstances, il disait continue, pense pour le Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son garçon, si garçon est Babari, radiallahu alayhi, finalement, il montrait tout ça, faisait sa leçon, qui, sur les pierres, fait mal, cela on fait couler, mais seulement sur l'attitude du positif, lui reste positif. Il n'a pas cause de nonsense, il n'a pas réagi à nonsense, à vous faire la marche. Tant du monde le trouvait, si vous voulez dire, ou vérifier le lac, tant du monde, il arrive à la marche, parce qu'il est la réalité de la pénalité. Il arrive à la marche, parce qu'après cette pénalité, 15 enfants, on frappe trois mains, il arrive à la marche. Alors, le croyant, mais en islam, et sur l'islam, n'importe qui malheur qui affectait la vie du croyant, tout d'abord, il disait, et il a sa patience, son bon. Et patience qui veut dire, mais en islam, sobre qui veut dire, d'après l'islam, c'est qu'on a un contrôle, leur réaction, sa croix, qui sort, sa croix, un organe, veut dire, le moment pour l'écrire, le mot la langue, et le moment action qu'ils vont faire. Vous continuez, pensez-vous, le Allah. Vous continuez, dites-moi, Allah, vous allez vérifier. Allah, il peut vérifier moi. Allah, il peut récompenser moi. Allah, il peut faire ça positif. On pense positif même. Pareil, comment Moussa alayhi salam. Alors, n'importe quand j'arrive à aller à Sud, il y a cause de même ça. À cause de même. De passer là, je suis un problème, de venir aussi de même. Alors, fini avec les pharaons, puis tout le monde, c'est terrible. Demandez un peu, sinon, quand on peut envoyer les pharaons, Moussa. Moussa alayhi salam, alors sa attitude positive, sa tranquillité de solitaire, fait lui réagir positivement pour son abus. Pour son action, quelle est la ligne de la Rabbi, Seigneur dit. Non, au contraire, par une carte de plaisir, moi aussi, qui a l'aïe avec moi, je dis à la solide avec moi, il vous demande ainsi mes sorties. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je parle de tranquillité de solitaire. N'importe quand, qui, en ce moment, je fais calme, fais la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous rappelez, sera pas un demande grand, je veux dire, guerrier de sa époque. Alors, Abu Bakr dit Allah, on peut finir, mais tout sera pas fini. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis m'a enseigné, mais non, quelle panique!
كيف هو بانيك؟ كيف؟ كاو بانيك؟ قال كيف كوماس عم بيلمي؟ كاو بيز كو كله؟ قال كيف كوماس كيف كان؟ في محمد صلى الله عليه وسلم كيف بيلمي؟ سيسا أتسيجي بالبايان كابو بكر رضي الله عنه دان لا دان سارا كاو إيه لا كان يسوى وطانجي فاتنا ني لا كازاني ني جزيز بيزون ني نانيه تيان كو وطبو دي مانولا تومان بني Donc pas mentionner le hadith si je suis bête de quand je trouve Mohammed sans ça on va la casser dans trou peine aucun pouvait dire Abu Bakr رضي الله عنه est tremblé avec la peur c'est même tremblé positif et bien pas pour lui pour Rasulullah صلى الله عليه وسلم Mohammed صلى الله عليه وسلم bien dormi tranquillité les gars et maintenant Bedir et maintenant c'est ça qui est important Bedir comment dire dans le cœur comment nous dire là tranquillité les gars tranquillité les gars quand on pense pour Allah, quand on pas pense pour Allah, on va affoler dans la n'importe qui civilité affoler pour quelle tension comme ça de l'hôpital pas ici problème mais du monde qui est la tranquillité de soleil ça c'est le petit trésor l'eau soleil les gars ça contrôle le soleil pareil comme ça même les gars contrôlent les personnes pour pas son parole les n'a pas cause d'un sens quand il vit pas une difficulté pas une malheur parce qu'ils sont désagréables, les contrôles sur la lame. Pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe sur une madame qui se méfie de l'eau. C'est un exemple qui est très important pour nous. Comment nous contrôler, comment nous faire sortir l'eau de la bouche. Alors madame l'a pleuré, se méfie de l'eau. Logique, normal, il met la personne sans misérable, sinon pas la personne. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, contrôle. Alors qu'il vient faire, il va bien dans son sommeil, pas son parole, il dit le prophète s'en sort, tu vas en parler, tu vas en parler. Ce n'est pas ce qu'on est, il dit ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand on dit qu'il est dit, il fait une cause brite avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a loué un point, il a dans la case Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ta voix, excuse-moi parce qu'on est, c'est pas toi ça. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, as-sabru, عند الصدمة الأولى. La patience, c'est le premier choc qu'un timon gagne, son réaction à salaire, son réaction à guerre, son réaction à pousse, son réaction à battre au gal, c'est ça qui appelle la patience. Il doit être sous contrôle, c'est ça la patience. Pareil, comme nous revenons sur le hadith, quand Mohammed s'en va sur un point de mort, l'homme peut couler, les terres gros, quand son arabe est en train de pleurer, tu s'en va pas. Incroyable, l'épisode toujours pareil dans ce détresse, l'épisode.
عائشة رضي الله عنها. محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا من بيعه قال بيعه سبيجو إن أغربي بيسو تبس كونين أسكي لبان جهر بيجي فلا كولوني كونين وبيجون بيعزين نتونا رواني أسكي مولا برنسس نو يبي لكي أبري بيان تسكت كي لبان لي بيجي أتي أعيب بيسون إن أغرب سبيجو مين الكوابر سيدة تيمونين كوا ما سوابا يمكن يمو دان بيجي لسابا لانكين أولو يبانين دي بينا عليه يبي يلي désespéré, pas pour cela, mais pas une grande précaution. Dis pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce madame, quand sa sahabi est venu, il a montré un rossoir. Un rossoir est un homme vraiment trop, un madame a enveloppé en noir. Dans ce moment de détresse, il y en a, mais il y a un danger, pas un gros virus. Il y a un monde capable d'attaquer. Il y a tout ce qui a des problèmes, et il y a une madame. Mais il y a un moment pareil, toute cette qualité est frayeur, mais malgré cela, comment il comporte, il enroule lui dans ça, dit le bab, comme tu m'as pas de côté, pas de renommée, tu vois le soir, pas de taille de façon, ou bien même casser le pose, qui montre nous dans l'islam, dans n'importe quel moment, l'église, le croyant, besoin et a sa bande, veut dire, en formation, besoin de sa bande qualité dans nous, qui veut dire, dans n'importe quelle situation, nous capables de dire, reste dans la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut dire, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Et ça, c'est une limite qu'il y a à l'affirmité. Concernant le prière, concernant la bourse, concernant l'action, voilà, ça, le courant n'a pas transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en dit dans le monde de Seigneur Muhammad, wa ala alihi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبان difficulté dans l'islam ou bien نبان moment de bonheur, de joie dans le croyant, dans toutes les situations, le croyant, les visins, God and veut dire une petite possibilité, veut dire une interrogation. Le croyant, parce qu'il y a plein une cause, bonheur et bonheur qui déguisé. Un malheur déguisé. Bonheur en lui-même, un bonheur c'est un bonheur, à l'aide condamnant, une personne en vient au monde, et l'un, Allah a envie d'aider un monde, mais c'est même déguisé dans un bonheur. Comment pas comme ça, moi? Comment pas comme ça? C'est pour ça qu'il y a un ulama, par Sahaba et ensuite quand il fumine après, je ne passe pas les autres emportés quand arrive un bonheur. Je suis content de tirer mes salles, etc. Maintenant, un petit point, quelque part, de cire, en lui-même, il y a de cire, vous voyez ça. Je sais, je vais vérifier. Attention, c'était une punition déguisée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran et dans le hadith musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mention de sa situation. Al-Istidraj c'est quoi? Al-Istidraj, ça veut dire qu'on appelle lui une punition déguisée. Qui Allah lui donne nous, lui continue de nous, parce qu'il a envie de punir nous gros comme ça. Allah pense aux justice, pense aux perfections. Si vous méritez 100 coups de fouet, pas vous donne nous 100 et demi coups de fouet, de nous y 100. Mais seulement Allah, lui trouvez que vous méritez 100 coups de fouet, il n'y a envie aucun 1000, parce qu'il n'est pas content. Avec l'IPA, l'IPA est dans une situation où donne-nous bonne possibilité pour payer une quantité de péché jusqu'à où arrive sa limite 1000 là il prend sanction pour nous. Ça c'est une punition déguisée. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour ça dans la sourate Al-Imran,
des enfants n'est pas nécessairement un signe qui Allah content. Parfois, il y a mal une forme de punition. Pour qu'ils augmentent le péché. Donc, cette raison, quand nous croyons en Inch'Allah, car il nous a bonheur, nous comptons, remercions Allah, nous révélons Allah, nous faisons par l'action, par khayrat, mais nous visons toujours et là, qu'un débat dans l'esprit, laisse-moi voir, recouvrez-moi encore, quand j'ai un problème dans moi, dans ce style-là, ça c'est très important. C'est pour ça qu'il, pas dans le main, auparavant, il a besoin de salat. Pendant un an, si pas la religion de problème, je suis un crapaud. Si dans un an, pas la religion de possible, je suis un père. Qui fait parce qu'il a des trois ans, il sait, ça m'a dit, mais j'ai des preuves. Alors, voilà pour l'instant, attitude, qu'un croyant, il sait, parfois arrivé, pas de bonheur, en fait, c'est pas une punition déguisée. Faut que j'aille les voir, même. Faut que j'aille guetter moi-même. Qui arrive, moi? Qui peut arriver, est-ce qu'il vraiment un Julien, ça? Ça qui n'arrive pas aujourd'hui, ça qui n'arrive pas hier, ça qui va arriver demain. Il ne faut pas s'installer en estomac, ou bien t'enfermer, alhamdoulilah, alhamdoulilah, et t'as fait baïla, ça commence à arriver, c'est ma faute de manger. Ce réveil, ça n'a pas aucun sens, mais c'est pas qui n'arrive, il oublie son amas, la tête, il trouve dans ma tête, c'est alhamdoulilah, pour passer comme ça, pour le récit, il fait beaucoup de droits pour moi, alhamdoulilah. Mais fais attention, qu'il nous aide, qu'il nous l'arrive. Est-ce que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala peut nous dans nous, si nous trouvons qu'il lacune dans nous, nous faisons les faire, au plus vite, nous faisons remédier à sa bande manquement, sinon on n'est capable d'une punition déguisée, qui est capable de coûter cher, et dans son nom de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala met son détail, on va pas lire, dans son nom de l'âme, comment Allah est pitié du monde, pas, de comment se remercier Allah. Ça n'a pas de sein, ça n'a pas de monde, ça n'a pas de sein, il y a un million. La personne qui a pris beaucoup de difficultés, qui fait parce qu'elle a pris contre lui.
Allah augmente ce daraja. Allah augmente ce grade. Donc, elle demande, pour si j'ai un jour probable, une raison probable, qu'il y a un petit monde qui a une difficulté, elle est intelligible. Elle peut, c'est qu'Allah lui honorie de petit grade pour élever ce grade, lui met pas de difficulté, il dit. Ça veut dire, Allah est dit, vous ne suivez pas ça, vraiment, ça va nous. Et ensuite, il vit, mais j'ai plus proche par les Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est grand affaire. Grand affaire en islam, mais c'est un objet qui parce que, elle n'a pas de difficulté, limite pas une fois, purification aussi, la deuxième grade. Elle, Allah donne une difficulté pour prendre le valeur. Deuxième, Allah donne une difficulté pour faire nous payer ni l'eau à dire, la place dans le jahannam. Une deuxième raison qui vient pour gagner une difficulté dans mon avis, Allah. Mais là, ça n'a pas pris les catégories. Ça n'a pas aussi la condamné. Mais Allah, il fait taper chez lui. Mais ça va peut-être, on connaît qu'il nous fait, qu'il nous fait Allah condamné. Mais Allah, il m'a donné un fait, Allah, on est purifié lui avant qu'il rentre dans le travail. Allah donne l'iman, anti-difficulté, purifié. Malade, problème de business, problème de ménage, problème pas ici. Il peut espérer, il dit, man, t'en va. C'est ça le croyant. Quand tu fais qu'il t'aime, on est libre. Et quand vous mettez la main, il lève la main, il fait ses valeurs, il fait sa valeur, il remercie Allah. Il dit, moi, Allah, pour Adam, Allah purifie lui. Comme Allah, son Allah, son Allah, son Dieu, et n'a dit, moi, pour une difficulté, c'est ce qu'a dit. Quand il met le mot, il n'a aucun péché de ce monde. Purifie lui. Ça, c'est une deuxième raison qui fait Allah lui donne un croyant en difficulté, c'est pour purifier lui dans la terre. Faire lui payer lui dans la terre. Imaginez qui plie une petite émission dans la tête, un soulier qui gagne du monde universel, sauf la cervelle ou bouillie. Qui vitesse, qui violence sa salaire, qui sortit dans sa semaine, lui bouillie sa cervelle. Si son aile est à une fibrose, parce qu'il va prendre une boule, il va prendre une boule de la relation, on va être dans le pipé, il saisit. Il saisit en vrai, il n'est pas resté au Maroc, là où l'encore, mais il est. Mais, il y a des violences à soulier qui, quand même, ça bouille la cervelle. Est-ce que, un petit monde, bon, on a mis sa petite mission là-haut, ou bien on a fait dit, mais j'ai vérifié les ordiers, à cela même. Alors, deuxième façon, deuxième raison qui est incroyable, qui a une difficulté, c'est qu'Allah a envie de dire vérifier. Mais sinon, frère Islam, il y a une troisième raison qui fait la difficulté. Il y a une troisième raison qui fait Allah connaître nous côté droit. C'est nous bien connus même. Allah fait connu nous mode mode. Il fait là. Parce que Allah veut dire il fatigue en nous. Allah il plaint en nous. Quand nous nous fatiguons avec lui, avec Pharaon, nous prenons sanction contre eux. Sanction. Allah fait sanction nous. Troisième raison qui vient de la difficulté, sanction depuis le ciel et des anneaux. Allah connaît en nous. Quand Allah en colère, vous lui priez nous dans la terre. Allah est en colère, il enlève son bénédiction dans nous. Il enlève son rahmat dans nous. Il enlève son barakat dans nous. Il est en colère. Quand Allah en colère, quand on est ingrat. C'est pas quand on peut désobéir. Désobéir, le croyant, il y a désobéissance dans nous. Quand Allah en colère de sa façon, quand on est ingrat vis-à-vis de Allah. Dans tout corps, nous est ingrat pour la pousse. Nous est ingrat pour les guerres. Nous ingrats pour mon action, nous ingrats de son obéissance, nous ingrats de la vie sur le Rasoul, sur le nom et le Seigneur, l'ingratitude, les provoque, veut dire, enlèvement de tout mon bienfait, barakat, rahman, tout mon facilité, sont-ils la vie difficile. Mais le travail, la vie difficile, risque, l'ingénuité, pas d'autres risques. Dans la vie de tous les jours, comme nous positionnons, c'est par rapport à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous dire.
سبحانه وتعالى protège-nous dans le cas de la dunya, dans la akhirah. On se dit à Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.